Bonjour, chers amis. Nous sommes aujourd'hui là pour partager la parole de Dieu et éventuellement partager des expériences de la vie. Avant de commencer, j'aimerais d'abord vous lire un passage dans la parole de Dieu. Vous savez bien, dans le livre « L'Épître aux Hébreux », il est écrit au Hébreu, chapitre 13, verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et je pense que par rapport à cette nouvelle, les choses n'ont pas changé. Euh, c'est juste, c'est vrai, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est celui, euh, lorsque tu viens à lui, il ne te mettra jamais dehors. Tout simplement parce qu'il t'aime tel que tu es, et il t'accueille tel que tu es. Alors j'aimerais simplement vous dire quelque chose, partager avec vous une expérience qui m'est arrivée. Oh, il y a quelques années de cela. J'avais entendu parler de Jésus-Christ, bien sûr, pourquoi Simplement parce que mes parents m'ont amené à l'Église. Mes parents m'ont parlé du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, dans ma foi de, de jeune enfant, bien, je, je fais confiance, je croyais, j'avais à l'Église et tout. Et un jour, vous savez, lorsque nous disons des choses, les humains peuvent écouter et puis, euh, à un moment donné, euh, peuvent oublier tout ce que vous avez à dire. Mais il y a un qui note tout, même la moindre virgule, comme le moindre point dans son calpin. Et au moment venu, il va donc vous le rappeler. C'est ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Donc je disais donc que cette expérience, c'est que dans ma jeunesse, dans mon ma, ma adolescence, bon ben, on parle de Dieu, on crie à lui, on, on fait des promesses et ainsi de suite. Et puis un jour, il fallait qu'il ait rendez-vous avec moi. Moi, je ne savais pas que j'avais rendez-vous avec lui, puisque pff, je n'ai rien demandé à personne, vous savez. Et puis, euh, à l'âge de 16 ans, je suis tombé malade. Je suis tombé malade. J'ai eu la méningite. Puis bon, ben, on savait pas trop ce que c'était. Hein, puis bon, c'était en Afrique. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, euh, mon cou était vénéré, J'avais des douleurs de, dans la tête, au niveau des maux de tête, et au niveau de, de la nuque. Alors je ne pouvais pas supporter la lumière. C'était difficile pour moi de supporter la lumière. Mon père s'est inquiété. Et puis ma maman et tout ça. Et puis on m'a amené à l'hôpital. On m'amène à l'hôpital, euh, on m'amène donc euh, au, au, des services, euh, au service des maladies infectieuses et là, quelqu'un me regarde. Et, euh, monsieur te dit, écoutez, peut-être que euh, il, il s'agit de la méningite. Je savais pas trop. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut donc euh, lui faire la pension lombaire. Alors, moi, je savais pas ce que c'était à, à cette époque, vous savez. Et donc, il a fallu qu'on m'amène parce que je commençais à devenir raide. Ça me redire complètement et il a fallu trois personnes pour me tenir déjà, me plier, parce que c'est une longue aiguille. Hein? <laughs> On vous prend dans le dos pour retirer le liquide céphalorachidien. Et quand le liquide céphalorachidien a été retiré, ce liquide ressemblait à l'eau d'une mare boueuse. Lorsqu'on a amené ce liquide, ce liquide au laboratoire, le laborantin l'ayant vu dit, mais attendez, mais cet homme, il est déjà mort dit, non, mais c'est pas un homme, c'est un jeune garçon de 16 ans, ce n'est pas possible. Il est au moins mort trois fois parce qu'avoir le liquide de cette couleur, ce n'est pas possible. Il dit, si, si, il est là. Et donc, euh, on m'a amené au, au service des maladies infectieuses. Je suis rentré, on m'a attribué une chambre. Et puis quand je suis rentré dans la chambre, boum, je suis tombé dans le coma. Je suis resté 11 jours dans le coma. Ma maman était là en train de me veiller, veiller, veiller comme toutes les bonnes mamans, vous savez. Elle était en train de veiller. Et puis, euh, ben, le 11e jour, je sors du, du coma. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'à cette époque, dans le service, les gens entraient le matin et le soir, direction la morgue. Le matin et le soir, direction à la morgue. Je suis rentré plus précisément vers le 13 ou le 14 juin. Et je suis resté trois mois à l'hôpital. Donc, on avait essayé de mettre tous les traitements possibles qu'on m'avait donnés. À un moment donné, le traitement ne faisait plus d'effet. Pourquoi on ne sait pas et dans ce service, il y avait donc une dame, madame Obenga, qui était donc professeure, qui était professeure donc de médecine dans le service. Alors, euh, à un moment donné, elle dit, écoutez, on est en train de lui mettre tous les antibiotiques, mais ça ne réagit plus. Donc, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Cette période-là, on venait de découvrir, ou peut-être dans le service, on venait d'utiliser l'antibiotique qu'on appelle de la gentaline. Alors, il y avait de la gentaline 80, la gentaline 40. Bon, on s'est dit laquelle euh, il faut lui prescrire et puis donc euh, ce médecin a dit écoutez on va lui proposer la gentaline 80 puisque maintenant il ne réagit plus enfin les médicaments ne réagissent plus hein, ça a stagné donc euh, alors qu'il reste encore des, des, des microbes on va mettre la 80 mais une chose dès la moindre réaction vous arrêtez tout et bien donc on a mis la gentaline 80 on a ça a continué ça a réagi un tout petit peu et puis après plus rien alors il restait à peu près euh, sur 237 microbes, il restait 23 microbes. Alors, vous savez, c'est comme des amibes, hein? ça se multiplie à une vitesse grand V quand ça reste dans, dans le corps. Ça s'est multiplié à une vitesse grand V. Donc voilà, en juin, juillet, août et puis au mois de septembre. Alors j'ai dit donc à, au médecin, écoutez, moi au mois de septembre, je dois retourner à l'école parce que je vais, faire mes études, je vais continuer mes études et tout. Alors euh, ce médecin m'a regardé droit dans les yeux et dit, jeune homme, Déjà, estimez-vous heureux d'être en vie. Ceux qui échappent à cette maladie deviennent des légumes. Donc, vous devez mettre une croix sur vos études. Terminé. Je dis, écoutez, je crois en Dieu. Je pense que Dieu fera quelque chose et tout. Elle a rigolé. Dit, oh, vous avez 16 ans. Bon, ben, vous êtes ado, donc c'est peut-être la petite croyance des ados. J'ai dit, écoutez docteur, j'ai fait une promesse à Dieu. J'ai demandé à Dieu de me guérir. Je me mais non, Dieu ne fera rien, écoutez, on a fait ce qu'on a pu et tout. J'ai dit, j'ai demandé à Dieu de me guérir. Alors, j'ai insisté, donc maintenant, pour pouvoir sortir de, de, de là. Mais malheureusement, elle n'a pas voulu accéder au premier abord. Alors, j'ai été, on dit, un peu plus entêté. Et à chaque fois qu'elle venait pour me visiter, je disais, je veux sortir, je veux rentrer, parce que moi, cette année, je vais aller à l'école, j'ai des examens à préparer. Je crois que c'était de l'as, guerre. Alors, elle dit écoutez, vous me signez un, une décharge et je vous laisse partir. J'ai signé une décharge. Elle dit mais par contre, une chose que je veux vous demander, jeune homme, c'est que tous les mois, vous devez revenir ici pour un contrôle. Parce que cette maladie, il y a, ça ne s'arrête pas comme ça. C'est pour cela que, donc après avoir signé la décharge, je suis sorti. Alors, curieusement, je pense que ça a été guidé, hein, Curieusement, je sors de là, au lieu de rentrer directement chez moi, je vais dans une librairie évangélique. J'entre dans cette librairie parce que j'avais besoin de littérature, j'avais besoin de lire et tout ça. Je rentre dans cette librairie. Alors, d'abord, je voulais vous dire c'est que euh, quand j'ai fait ma prière à Dieu, vous savez, on n'y prend pas souvent en considération. Je dis écoute, Dieu, tu, je sais que tu existes. Maintenant, si tu existes, guéris-moi. Mais si tu me guéris, j'aimerais te servir. Qu'est-ce que je n'ai pas dit là <laughs> Je le dis comme ça si tu existes, si tu me guéris, je te servirai. Donc, je sors de, de l'hôpital, je me dirige donc à la librairie, et j'entre dans la librairie. Tout de suite, en entrant dans la librairie, la première chose que je vois, c'est une pancarte devant moi, écrite en rouge, en lettres rouges Sauver pour servir. Alors, ça m'a fait un petit flash, puis je me dis bon, c'est rien du tout. Je suis arrivé, j'ai pris ma littérature et je suis rentré chez moi. J'ai continué ma vie comme tout jeune garçon de cet âge-là, tout ado. Je suis allé à l'école, j'ai fait mes examens, j'ai réussi. Et puis, par la grâce de Dieu, je suis venu jusqu'en France pour continuer mes études supérieures. Et un jour, comme je vous disais tout à l'heure, nous les humains, on peut oublier. Mais lui, il note tout dans son calepin. Il n'a pas oublié. Et puis, euh, je rencontre, j'étais à l'école, je rencontre donc une, une personne, une dame. Il me dit, au fait, euh, vous lisez quoi là Vous savez, le, le petit, le, la petite Bible bleue des Gédéons. J'avais ça, j'ai lu ça. Vous, vous êtes chrétien Je lui dis, ben, oui, 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 oui. Vous allez à l'église ben, À quelle église vous allez Je lui dis, écoute, j'arrive ici, je suis dans la ville, je ne connais pas la ville, donc euh, je ne sais pas. Je lui dis, écoutez, je vous amène à l'église. Et donc, je suis allé à l'église. C'était donc à Rochefort, dans la rue, rue Tout-Faire. C'est là que réellement, j'ai rencontré... Comme dit, euh, le Seigneur, mais d'une manière tout à fait particulière. Et là, cette expérience a commencé. Je sors de là, je vais donc sur Paris, et j'arrive à Paris, lors d'une rencontre, enfin, c'était lors d'un culte, un prédicateur de Opération mobilisation fait un appel, dit au fait, il y a des jeunes gens qui ont dit qu'ils voulaient servir Dieu. Moi, je ne me sentais pas du tout concerné, vous savez. Et puis il a refait un appel, dit, qui aimerait servir le Seigneur Dieu appelle des jeunes gens pour, servir, pour le servir. Non. Dieu appelle les jeunes gens pour le servir. Ben non. Il fait un troisième appel, alors je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'étais en plein milieu d'une foule dans l'église. Je me retrouve devant, où on était en train de prier pour moi et pour d'autres personnes qui s'étaient levées pour servir le Seigneur. Alors je n'ai pas compris. Alors maintenant, après cela, je reviens, quand j'ai parlé de ça, les gens m'ont dit, attendez, vous avez eu quoi La méningite. La méningite purulente. C'est vrai Oui, j'ai montré les résultats. J'ai dit, Dieu m'a guéri de la méningite. Incroyable. Alors, je vais plus loin. En 2003, j'ai fait un voyage au Canada, dans le cadre d'une association euh, que j'ai dirigée et tout. Et je rencontre une dame qui était ministre au Sénégal. Et cette dame s'est retrouvée là, on a essayé d'échanger un tout. Elle dit, vous savez pourquoi je suis devenue sourde Parce que c'était au congrès des, des sourds, au congrès mondial des sourds. Elle dit, non, elle dit parce que j'ai eu la méningite. Et j'ai eu la chance d'être guérie, mais les séquelles sont là. Je dis, c'est pas probable. Je ressors de là, euh, quelques temps après, je vais au Cameroun. Je rencontre un monsieur qui veut me voir, qui dit, écoute, est-ce que euh, tu pourrais venir voir parce que j'ai un centre avec des enfants et tout ça Je dis, ben oui, pourquoi pas et je vais voir son centre. Et je vois des jeunes gens. Il dit c'est des sourds-muets. Et je leur dis Mais qu'est-ce qui leur est arrivé Il dit Mais tous ces jeunes gens, la plupart en tout cas, ont été atteints de méningite. Et ça a été mal soigné. Ou quand ils ont été guéris, vraiment, ça leur a laissé des séquelles. Et moi, par la grâce de Dieu, je n'ai pas eu de séquelles du tout. Alors, c'est là où j'ai dit Mais non, le Seigneur vraiment m'a guéri. Le Seigneur m'a délivré, le Seigneur m'a libéré, le Seigneur m'a restauré. Déjà, je disais tout à l'heure que pendant que j'étais à l'hôpital, le médecin-chef de service disait, écoutez, jeune homme, vous devez mettre une croix sur vos études parce que vous serez un légume. Alors, essayez donc de voir le légume que vous avez en face de vous. Là, un deuxièmement, j'ai pu faire des études, j'ai pu faire des études supérieures par la grâce de Dieu. Pour dire simplement que Dieu guérit. Alors, nous allons dans la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ceci dans le psaume 50 et le verset 15. Il dit, Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoque-moi au jour de la détresse. Donc quand tu es dans la détresse, c'est important d'invoquer Dieu. Il a fait une promesse, il est celui qui tient toujours à ses promesses. Il dit, Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Comme quoi, il n'y a rien pour rien. Donc, s'il te délivre, s'il te guérit, mais le juste retour des choses, c'est de le glorifier. Et c'est ce que je me suis chargé de faire, du Seigneur. Puisque tu m'as guéri, puisque tu m'as délivré, eh bien, je viens à toi. Vous savez, lorsque l'on vient à Jésus-Christ, on ne vient pas pour être soigné. Jésus-Christ ne soigne pas. La Bible dit que le Dieu que nous servons s'appelle Adonai Raphé, le Dieu qui guérit, le Dieu de la guérison. Donc lorsqu'on vient à lui, on vient pour recevoir la guérison. Donc si tu viens à Jésus pour être soigné, désolé si tu n'es pas guéri. Mais moi, si je vais à Jésus, c'est pour être guéri, pas pour être soigné. C'est comme si tu prenais un, un, un billet de train et tu vas aller prendre ton, ton moyen de transport à l'aéroport. On va dire Oui, vous avez le billet qui convient. Il dit, écoute, je suis à l'aéroport, je sais pas, je vais aller à, à, dans telle ville. On dit oui, mais le billet que vous avez ne convient pas. C'est un billet de train. Ou alors vous, vous allez prendre un billet d'avion. Bon, euh, par exemple, en quittant Paris pour aller à Toulouse, vous avez un billet d'avion, mais vous allez, vous allez vous présenter à la gare. On dit, non, mais je suis venu pour prendre mon, tra mon transport parce que je vais aller à, à, à la Toulouse. On dit, oui, monsieur, c'est bien beau, vous avez un billet. OK, mais ce n'est pas le bon moyen. Alors, je vais dire ça parce que nous, il est important que nous puissions également regarder dans la parole de Dieu dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 15 et le verset 29 et 30. Il est dit ceci. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée, étant monté sur la montagne ici assis. Alors s'approcha de lui une grande foule ayant avec elle des boiteux des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mis à ses pieds et il les guérit. Il ne les a pas simplement visités comme ça. Il ne les a pas simplement soignés, mais il les guérit. Et on voit bien qu'il y a plusieurs catégories de malades qui étaient venus à Jésus. Il y a des estropiés, il y a des boiteux, il y a des muets. Il dit beaucoup d'autres malades. Et il les guérit. Lorsque quelque chose se passe, souvent on essaie de ramener la chose au souvenir des, des humains. Est-ce que tu te rappelles? Est-ce que tu parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé? Et la chose qui s'est passée, j'aimerais que nous puissions voir cela une fois de plus en allant dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous allons dans le livre des Actes des Apôtres. Dans Actes des Apôtres, nous allons au chapitre 15. Pardon, au chapitre 10. Et nous lisons ce qui nous est dit au verset 38. Il est dit, vous savez comment Donc vous avez dû entendre, puisque un peu plus haut, le verset 37 dit, vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez, vous avez entendu parler de ça. Il y a eu des témoins. Donc là également, il dit, vous savez. Comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable car Dieu était avec lui. Vous savez, ça s'est passé. Donc Jésus-Christ, je disais au début, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Quelle que soit ta situation. Si tu viens à lui, il te donnera la réponse. Nous l'avons lu dans Matthieu, il dit, ils s'approchèrent de lui. La foule s'approcha de Jésus. Et je crois qu'il est dit également dans la Bible que, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Il est important que toi et moi, nous fassions le premier pas vers Jésus. C'est ce que j'ai fait. J'ai été malade et les médecins ont pu faire tout ce qu'ils pouvaient. Ils sont arrivés à un niveau. Ils m'ont prodigué des soins, ils sont arrivés à un niveau, ils ne pouvaient plus rien faire, ils ne pouvaient plus aller plus loin. Et là, j'ai dit, ok, j'ai entendu parler de quelqu'un, mais j'ai également entendu dire qu'il était le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Et il est capable de le faire également éternellement. Et c'est pour cela que je lui ai fait appel. Il dit, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Si tu me guéris, je te servirai. Comme je vous l'ai dit tantôt, je ne, savais pas, je ne me rendais pas compte de, de, de l'importance de ma parole, de ce que je disais, de la teneur de ça. Je dit Mais si tu me guéris, je te servirai. Mais lui, il a pris. Vous savez, Dieu nous prend toujours au mot. Toujours. Donc lorsque nous disons, ne disons pas n'importe quoi, sachez oui. ce que nous disons, parce qu'il va nous le rappeler et dans quelles circonstances on l'a dit. Et quels sont les mots que nous avons employés? Donc, ces personnes sont venues à Jésus pour recevoir la guérison. J'avais besoin de cette guérison. Je me suis dit, non, je refuse qu'à mon âge, à 16 ans, qu'on me dise que je serai un légume. Je refuse cela. Donc, il est important, bien-aimé, que vous puissiez refuser. Cela, ce n'est pas pour ça que Dieu t'a créé, m'a créé, nous a créé. Dieu nous a créé pour pouvoir le servir. Dieu nous a créés pour que nous puissions dominer comme il est écrit dans le livre de la Genèse. Dieu nous a créés pour que nous puissions vraiment nous, euh, euh, nous exprimer. Dieu nous a créés pour que nous puissions nous épanouir. Dieu nous a créés pour que nous puissions travailler. Dieu nous a créés pour que nous puissions nous aider les uns les autres. Voilà pourquoi Dieu nous a créés pour que nous puissions fonctionner. Dieu nous a pas créés pour que nous puissions des légumes. Il peut arriver un accident dans la vie d'un être humain. Mais vous savez, des fois, des difficultés ou des problèmes qui nous arrivent sont le plus souvent, euh, je dis le plus, pas toujours, mais le plus souvent le fait que euh, nous n'avons pas obéi à certaines lois, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient morales, qu'elles soient physiques. Je dis par exemple, vous savez, il y a, dans un pays d'Afrique, plus précisément en Afrique centrale, un, un musicien a chanté, dans, dans sa chanson, il a dit une phrase. Il a dit, Nyongoya Pongi Sukase au Futa. Je le traduis. La dette du sommeil, quel que soit, tu finiras par payer. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu peux peut-être vouloir travailler. Tu peux dire écoutez, je vais peut-être prendre des, 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 des antiphétamines ou quoi pour ne pas dormir, parce que je dois finir tel travail. Plus tard, tu seras obligé de dormir. Je prends souvent l'exemple de notre petite fille. Nous avons une très 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 belle petite fille que Dieu nous a donnée, qui s'appelle Angela. Souvent, quand euh, bon, elle, elle dort normalement, et puis le, le week-end, quand on est à la maison, on est avec des amis et tout, tout le monde est là, donc l'ambiance, elle est contente. Et à un moment donné, quand je vois l'heure, parce qu'il faudrait qu'elle reste habituée à son horaire de sommeil, je vois lui dire Écoute, on va dormir. Elle dit non. Angela, on va dormir. Elle dit non. Elle fait tout pour refuser de dormir. Qu'est-ce qu'on fait On la laisse. Parce que bon, on est samedi, euh, donc demain, c'est dimanche et tout ça. Alors. Qu'est-ce qui se passe À un moment donné, elle joue, elle joue, elle joue, et puis tout d'un coup, on n'entend plus rien. Et quand on regarde quelque part, sur le tapis, elle est couchée. Elle a pris son petit doudou, elle a posé sa tête sur le tapis, elle dort. Donc, elle avait besoin de dormir. Le sommeil est là. Il fallait que ce, le sommeil, maintenant, fasse euh, son travail. Donc, notre corps a besoin. Tout à l'heure aussi, j'avais mon, mon, mon ami, mon frère, qui me l'a dit, dit, tu sais, Dieu nous a donné des heures, a réparti des heures dans la, dans, dans la vie d'un être humain pour que nous puissions les respecter. Et quand on ne les respecte pas, eh bien, des fois, il y a des conséquences. Et c'est vrai. Donc, de, la, une partie de nos difficultés, de nos problèmes, vient du fait que nous n'obéissons pas aux lois ou euh, nous n'arrivons nous, nous pas à, à respecter les lois spirituelles ou les lois morales ou les lois physiques qui sont là, tout simplement. Donc, parfois, les gens qui disent Mais oui, mais si Dieu existait, pourquoi il a permis si Dieu peut permettre certaines choses dans notre vie. Mais cela si ne veut pas dire que Dieu souhaite ces choses dans notre vie. Il est quand même important que nous puissions comprendre que certains de nos problèmes, c'est nous qui sommes les auteurs. Certains de nos problèmes, c'est nous qui sommes à l'origine. Parce que simplement, Dieu a donné à chacun de nous le libre arbitre. Si Dieu avait voulu faire de nous des robots, on se plaindrait. Mais Dieu dit non. Il nous a créés libres. Donc nous pouvons agir. Pour dire simplement qu'il peut arriver dans ta vie que tu aies des difficultés. Ce n'est pas la peine d'incriminer Dieu. Mais au contraire, comme moi j'ai eu à le faire, viens vers Dieu Seigneur. Dis Seigneur, je crois en toi. Je veux que tu interviennes dans ma vie. Je veux que tu me guérisses. Et comme moi je l'ai dit, Dieu m'a guéri. Dieu m'a libéré. Dieu m'a délivré complètement parce que, comme je vous disais tout à l'heure, euh, le médecin m'avait demandé de chaque mois, pendant la nuit scolaire, de repartir à l'hôpital pour euh, les tests. Eh bien, je peux vous dire que les neuf mois qui ont suivi, de septembre à juin, je suis reparti tous les mois à l'hôpital pour les contrôles. Résultat, zéro. Alors là, le médecin dit, écoutez, pour moi, vous êtes un miraculé. Je dis oui. Parce que je crois au miracle. Je crois en Dieu. J'ai demandé quelque chose à Dieu. Vous ne me croyez pas il y a 7, 8 mois, 9 mois en arrière, quand je vous disais cela. Parce que vous me disiez que, bon, je suis jeune, j'ai 16 ans, bon, je suis un adolescent et tout ça. Mais moi, je croyais en Dieu. Et voilà ce que Dieu a pu faire. Non seulement il m'a guéri, mais il a restauré toutes choses, Puisqu'on disait que je ne pouvais même pas retenir. Mais Dieu m'a fait grâce. Il m'a de retenir jusqu'à 5, 6, 7, 8 numéros de téléphone d'affilée. C'est une grâce de Dieu. Il m'arrive de retenir des tas de versets bibliques comme ça. C'est une grâce de Dieu. Je n'ai aucun mérite. Mais Dieu me voulait ça me prouver que je suis capable, non seulement de te guérir, mais de restaurer également ce qui a été abîmé. Et Dieu peut le faire pour chacun d'entre nous. Quelle que soit ta vie, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta nature, homme ou femme, Dieu est capable de le faire. Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Et pendant que tu es en train d'écouter ou de regarder, je vais te dire une chose. Comme il m'a guéri, il est capable de te guérir également. Pendant que tu es là, simplement que tu l'invoques, mais tu l'invoques d'un cœur sincère. Pourquoi Parce que souvent, nous prions et on se dit, mais oui, mais ma prière ne marche pas. J'ai prié, la prière ne marche pas, mais pourquoi est-ce que la prière ne marche-t-elle pas? Je vais vous dire une chose, bien aimés Allons dans le psaume 51 et lisons le verset 12. Nous allons voir peut-être que l'une des raisons, je dis bien l'une des raisons, je dis que c'est la raison principale, mais c'est l'une des raisons pour laquelle, lorsque nous prions, nous crions même à Dieu, les choses ne marchent pas. Que nous dit le psaume 51 et le verset 12? Je l'ai dit. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Quand le cœur n'est pas pur, qu'est-ce qu'on peut y mettre dedans Prenons un exemple tout simple. Vous avez une bouteille de ou un verre d'eau. Si ce verre d'eau, quelqu'un a mis des choses dedans, et puis l'eau n'est plus comestible, consommable, pardon. Et qu'on vient de vous tendre ce verre de là-haut on dit, écoute, ou, par exemple le verre est sale. Tu as soif. Et tu vas voir quelqu'un qui a de l'eau. Si tu lui présentes un verre sale, est-ce qu'il est est qu va te servir de l'eau Je ne le pense pas, il dira, lave ton verre. Ou alors, si lui vient, tu as soif, tu veux boire de l'eau, il t'amène un verre ou un récipient, un gobelet qui est sale. Il dit, mais je vais te mettre de l'eau dedans. Non, 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 non. Il faut d'abord laver cette eau. et ce verre. Et après, tu me mettras de l'eau et je vais boire. Donc, notre cœur a été sué par beaucoup de choses. Nous-mêmes, nous connaissons notre l'état de notre cœur et Dieu connaît l'état de notre cœur. Pour que la grâce de Dieu vienne et puisse reposer dans notre cœur, il est important que ce cœur soit purifié. Voilà pourquoi le psalmiste dit il a écrit Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Est-ce qu'il n'avait pas de cœur avant Si, il avait un cœur, puisqu'il est vivant. Mais il s'est rendu compte que son cœur n'était pas pur. En invoquant la grâce de Dieu, il dit, Dieu crée en moi un cœur pur. Et il ne s'est pas arrêté. Là, il a dit, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Jésus a dit quoi? Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, dites simplement à cette montagne, au toi de là, jette toi là. Si vous ne doutez pas, cela va se faire. Donc si dans notre cœur, on a un peu de foi, un peu de doute, hein, l'esprit n'est pas bien disposé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est là pourquoi le psaume dit Dieu crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Parce que les vicissitudes de la vie, les problèmes de la vie ont fait qu'à un moment donné, je ne crois plus en rien. Je suis un peu déçu, je suis un peu désabusé, ça ne va plus, je suis peut-être découragé parce qu'il y a trop de difficultés, j'ai vécu trop de problèmes. Alors Dieu renouvelle en moi un esprit bien disposé, afin que lorsque ta grâce arrivera être de la place. Elle puisse agir. Et ainsi, ma vie sera transformée. Ainsi, je rentrerai dans la dimension de la victoire. Je rentrerai dans la dimension de la guérison. Je dirai, Seigneur, je suis triomphant. Voilà comment est-ce que Dieu est capable d'agir au-dedans de nous. Nous avons une part à faire. Dieu a sa part à faire. Et il est important que nous-mêmes... Nous puissions disposer les choses pour que lorsque la, la grâce de Dieu va arriver, elle trouve le terrain favorable. Et lorsque le terrain est favorable, pour ceux qui font l'agriculture, lorsque la terre est favorable, lorsqu'on y sème des graines, obligé, il faut que ça pousse et que ça donne même une bonne récolte. Mais lorsque la terre n'est pas favorable, vous pouvez jeter toutes les graines, les semences du monde que vous voulez, ça ne donnera rien du tout parce que la terre n'est pas favorable. Et je, tout à l'heure encore, je disais, je voyais, moi, je reparle je je de mon ami. Nous avons parlé tout à l'heure de, 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 de la culture et on a vu dans son jardin, il a un poirier. Et puis, euh, le, le poirier avait donné des, 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 des belles fleurs. Et puis à un moment donné, je crois que, bon, je ne connais pas grand-chose en agriculture. Hein. Et puis, ben, apparemment, ça n'avait pas donné beaucoup de fruits. Et puis, il m'a dit, on s'est rendu compte d'une chose parce qu'il y avait des petites bêtes qui venaient. Pour détruire euh, les fleurs et éventuellement les fruits qui allaient venir. Il dit On a planté de la lavande au pied de cet arbre-là. Pourquoi Mais Parce que la, la lavande avait elle la, la, la particularité de pouvoir peut-être ou tuer ou chasser ces petites bêtes pour que ben, le, le petit poirier puisse bien grandir et donner du fruit comme il se doit. Donc assainir la situation. Donc la même chose Ton cœur peut être assaini. Le sang de Jésus-Christ a coulé. Pour assainir ton cœur. Quel que soit le péché que tu as commis, quelle que soit la manière où tu as mené ta vie, je vais seulement te dire que le sang de Jésus-Christ est capable d'assainir ton cœur, d'assainir ta vie. Et tu peux repartir à zéro avec Jésus-Christ comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Mais si toutefois tu le désires, mais si tu ne le désires pas, Dieu ne s'imposera jamais à toi. Parce que Dieu nous respecte énormément. Rappelez-vous lorsque vous lisez les évangiles, à chaque fois que quelqu'un venait à Jésus-Christ avec une situation, quelle était la réaction ou la question que Jésus posait Que veux-tu que je fasse pour toi Ça veut dire qu'il ne s'imposait pas, il ne veut pas s'imposer dans notre vie. Mais il veut qu'il y ait une adhésion de notre cœur à son action dans notre vie. Voilà pourquoi je peux te dire... Quel que soit ce que tu es en train de vivre, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves au jour d'aujourd'hui, bien-aimé, le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix pour assainir. Peut-être que les gens t'ont jugé, t'ont même condamné. On dit que toi, c'est fini, comme on me l'a dit à 16 ans. Mais jeune homme, mais tu vas être un légume, c'est fini pour toi. Mais j'ai dit non, Jésus-Christ est mort, ce n'est pas encore fini. C'est possible encore. Et je vais te dire la même chose, que ce n'est pas fini. Quel que soit ce que tu peux vivre, la situation dans laquelle tu te trouves, même si au plan humain, on dit que c'est impossible, si le, si le plan humain, on dit que non, mais on ne peut plus rien faire, tout est fichu. Et moi, je te dis, rien n'est fichu. Rappelle-toi ce qui a été dit dans Matthieu. Ils se sont levés, ils se sont approchés de Jésus, et Jésus les a guéris. Ils étaient estropiés. Ils étaient boiteux. Ils étaient muets. Ils étaient malades. Mais ils se sont approchés de Jésus. Et Jésus les a tous guéris. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Et il le fera également demain. Ce qu'il a fait dans ma vie, il peut également le faire dans ta vie. Quelle que soit la situation, et je me répète, que tu es en train de traverser. Parce qu'il a dit, même si tu passes par la vallée de Baca, il est avec toi. Il est ce Dieu qui est fidèle. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pas seulement de temps en temps, pas seulement quand ça lui plaît. Non, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Même lorsque tu penses que plus personne ne te comprend. Même lorsque tu crois que personne ne t'aime, j'aimerais simplement te dire qu'il est là, fidèle, jusqu'au bout. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà pourquoi j'aimerais simplement te dire, bien-aimé, de croire en lui, en sa parole, de venir à lui tel que tu es, fais le pas de venir à lui tel que tu es. Quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu peux éprouver, quel que soit même le problème, peut-être qu'aujourd'hui, euh, on te dit Mais voilà, tu as créé, tu as eu une, un gros problème, une grosse difficulté, c'est fini pour toi. Mais je veux simplement te dire que si tu viens, si tu l'appelles, il a dit qu'il ne mettrait point dehors ceux qui viennent à lui. Donc, si tu l'invoques simplement tel que tu es, et on va le lire dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 6, disons qu'est-ce qui est qu y a dit. Dans Jean chapitre 6, voilà une belle promesse qu'il nous fait. Et le verset 37. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Il dit, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc quiconque vient à Jésus, Jésus ne le mettra pas dehors. Vous savez, il peut nous arriver des, des, des choses assez difficiles. Bon, c'est peut-être une expérience malheureuse, permettez-moi de le dire, parce qu'on a vu des personnes en Europe qui, à un moment donné, ont fait venir leurs parents, le père ou la mère, etc. Et puis, nous sommes des humains, nous ne sommes pas parfaits. Quand il y a eu quelques difficultés dans la maison, dans le foyer, dans la famille, ces personnes qui ont fait venir les parents, la maman, ont fait sortir leurs parents en plein hiver de la maison. Je ne peux plus de toi parce que tu me crées des problèmes, parce que tu me déranges. Allez, dehors, en plein hiver. Et Jésus dit Je ne mettrai pas dehors celui qui viendra à moi, quiconque viendra à moi. Donc, quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu auras fait hier, peut-être que tout le monde t'a fui. Alors que hier, quand tu étais dans certaines situations, beaucoup de gens venaient à toi, tes mères, tu avais plein d'amis, et que maintenant, euh, les choses ont changé, tu es dans des difficultés, tout le monde t'a fui. Jésus-Christ te dit, tel que tu es, si tu viens à lui, il ne te mettra jamais dehors. Jamais. Donc simplement, approche-toi de lui. Et j'aimerais simplement te demander, là où tu es, est-ce que tu veux t'approcher de Jésus-Christ? Est-ce que, est que tu veux vraiment te demander qu'il vienne dans ta situation? Mais il y a une chose, rappelle-toi de l'image de ce verre. Tu veux boire de l'eau, si le verre est sale, l'eau quand on mettra dedans, tu ne pourras pas la boire. Donc de laver ce verre. Alors de créer comme le psalmiste, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Toi-même, tu ne peux pas le faire. Aucun homme ne peut le faire pour toi. Aucune, aucune instance, aucun système ne peut le faire pour toi. Seul Dieu, le Créateur, peut le faire. Pourquoi j'ai dit cela Je crois qu'il nous est arrivé un jour d'aller dans un magasin, d'acheter un appareil. Ça peut être un, un tripe, un amplificateur, enfin un appareil, un électroménager, comme vous voulez. Et on, quand on achète cet appareil, on nous donne le mot d'emploi et la garantie. On dit, les garanties, l'appareil est garanti. Six mois, un an, tout dépend de l'appareil. Et lorsque, on dit, si cet appareil tombe en panne, pendant la période de garantie, ne faites rien d'autre, ramenez-le au constructeur ou au vendeur. Et ce sera réparé. Sinon, on vous redonne un autre appareil tout neuf. Oui ou non Eh bien, c'est pareil. Notre constructeur, notre fabricant, notre créateur, c'est Dieu. Voilà pourquoi le psalmiste a dit, « Dieu crée en moi » un cœur pur. Aucun être humain ne peut créer un cœur. Seul Dieu peut te créer un cœur pur. Alors crie à Dieu pour qu'il crée en toi un cœur pur afin que lorsque tu vas demander sa grâce, sa grâce va descendre dans un cœur pur et alors tu peux repartir de nouveau de bon pied. J'aimerais simplement que toi et moi, nous puissions prier ensemble par rapport à cela. Que tu poses ta main sur ta poitrine, sur le cœur là où Dieu va intervenir, là où Dieu va renouveler et dire avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Tu me connais mieux que quiconque. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes égarements. Seigneur, je crie à toi pour que tu puisses créer en moi un cœur pur et que tu renouvelles en moi un esprit bien disposé. Parce que Seigneur, les vicissitudes de la vie ont fait que je me suis découragé. J'ai même dit des paroles mauvaises, des paroles méchantes. J'en ai même voulu à Dieu. Mais Seigneur, je t'en supplie. Renouvelle en moi un cœur bien disposé. J'ai besoin de ta grâce maintenant. Seigneur, je veux t'accepter dans mon cœur comme mon Seigneur, comme mon Sauveur, comme mon Maître. Seigneur, dans la situation dans laquelle je me trouve, et toi qui es en train de m'écouter, tu cites ta situation, tu le dis, tu le prononces parce que la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Il faut que les hommes entendent cela et que ça descende 30, cm plus bas dans le cœur parce que ça viendra du cœur. Dis la situation dans laquelle tu te Seigneur, viens me sortir de cette situation. Les hommes n'ont pas pu, les hommes m'ont abandonné, mais toi Seigneur, tu as dit que tu ne mettras pas dehors quiconque viendrait à toi. Voilà pourquoi, Seigneur, je crie à toi pour que dans cette situation, je vois ta main intervenir. Tu m'as dit dans le psaume 50, invoque-moi le jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Seigneur, ce jour, c'est mon jour de détresse. Je t'invoque maintenant dans ma situation. Peut-être que tu veux avoir un enfant, tu n'as pas d'enfant. Seigneur. Viens me donner un enfant. La Bible déclare que le fruit des entrailles est une récompense. Donne-moi cette récompense. Peut-être que c'est une situation financière, tu n'as pas de travail. Seigneur, donne-moi du travail, parce que la Bible déclare que je mangerai mon pain à la sueur de mon enfant. Peut-être que c'est une situation de couple, parce que je n'arrive pas à me marier. Seigneur, donne-moi un époux, donne-moi une épouse. Parce que ta parole déclare qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui donnerai une aide qui lui soit semblable. Quelle que soit ta situation, bien-aimés frères, bien aimé, frère, -aimé sœurs, crie à Dieu maintenant, alors dont Dieu écoutera et viendra à toi pour t'apporter la solution. Amen.